Jérusalem. Les joies de la fête et la mort se rencontrent en ce début de printemps. Ils célèbrent leur Pâques, c'est ainsi qu'ils l'appellent. Où les emmènent-ils ? Au Golgotha. Les exécutions se tiennent sur cette colline. Il y a 3 criminels. Il y a 2 voleurs. Et un homme de Galilée nommé Jésus. C'est un subversif selon Caïphe, le grand prêtre. Mais nombreux sont ceux qui l'aiment et qui le suivent. Il a annoncé l'avènement d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Il a parlé de rendre la vue aux aveugles, de libérer tous les opprimés et rendre justice aux pauvres. C'est un dangereux discours. La liberté est un confort presque inaccessible de nos jours et même à Rome. J'aurais aimé mieux le connaître. Je veux assister à sa fin. C'est au Golgotha ? Oui. C'est la décharge de la ville. C'est aussi là où on exécute les criminels. J'appelle un garde pour vous. Non, c'est inutile, Rufus. J'y vais seul. Je n'ai rien à craindre. Écoutez, ils sont là. Ils arrivent. On ne pourra jamais arrêter les soldats. Ah.
Allez, debout. Avance. Qu'a-t-il fait? Qui est cet homme? Toi, là! Oui, toi! Viens par ici! Qui, moi? Tu vas porter la poutre! Qu'y a-t-il? Tu es sourd ou quoi? Porte la poutre! Ça suffit. Hein? Je m'occupe de lui. À vos ordres. Faire attention. Avant, tu sauvais les autres! Sauve-toi toi-même, à présent! Oui, essaye. Où sont ses disciples? Oui, ils ont tous disparu, en vitesse, et ils l'ont laissé tout seul. Lorsque les soldats les attraperont, ils seront aussi crucifiés.
Regardez, ça vous intéresse? Ça appartient au Nazaréen. Celui qui tire le numéro le plus grand la gagne. Oui, d'accord. D'accord. Seigneur, les écritures sont en train de s'accomplir. Car il était écrit, ils se sont partagés, mes vêtements et tirés au sort, ma robe. Voilà ce qu'ont fait les soldats. Ça fait bientôt 6 heures qu'il perd son sang et il est toujours vivant. Oh, père, père. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu es le Christ. Tu es le Messie, n'est-ce pas? Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Tais-toi un peu. Ne crains-tu pas le Seigneur? Ah. Notre exécution est justifiée, car nous avons commis des crimes. Mais lui n'a rien fait de mal. Jésus. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Ce sont tes amis du temple qui ont fait ça. Mon fils, qu'aurais-je bien pu faire? Ils étaient tous contre moi. Ils ont même payé des gens pour qu'ils demandent à Pilate de le crucifier. Ah. Et pourtant, il nous l'a dit. Il a dit, je retournerai vers celui qui m'a envoyé. Il nous a tout expliqué, mais nous ne l'avons pas compris. Jean, je veux m'approcher de lui. Je veux entendre sa respiration. Halte! N'avancez plus! Je vous en prie. J'ai des ordres. Tenez-vous à l'écart. Sinon, j'utiliserai la force. Halte là, j'ai dit! Laisse-la passer. C'est sa mère. Écoute-moi, femme. Voici ton fils. Et Jean. Voici ta mère. Ah!
J'ai soif. Donne-lui de l'eau et du vinaigre. Élie ? Non, il a adressé une prière. Il a dit : mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, tu les délivrais. Ils t'imploraient et échappaient. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Oui, cet homme était le Fils de Dieu. Il faut partir à présent. Non, jamais je ne le laisserai. Jamais, jamais je ne l'abandonnerai. La crucifixion était aussi bien une forme de torture qu'une forme d'exécution capitale. Elle a peut-être d'abord été pratiquée par les Perses,
Quasiment inusitée en Grèce, elle était pratiquée par les Carthaginois, mais surtout par les Romains. La crucifixion était habituellement précédée par la flagellation. C'était la plus cruelle et la plus douloureuse peine capitale. Elle infligeait une insoutenable douleur, car la mort ne survenait pas tout de suite. Le condamné restait conscient des heures durant, parfois des jours et des jours, à perdre son sang par les plaies causées par les clous. Il arrivait que la victime ne soit pas clouée, mais attachée, alors elle étouffait petit à petit. La victime mourait aussi des suites du traumatisme causé par la flagellation, et bien sûr par les plaies faites par les clous. Jésus a été crucifié à la manière romaine, sans aucune pitié ni compassion pour le condamné. Mais selon la tradition juive, on offrit à Jésus une boisson toxique composée de vin et d'extrait de plantes. Jésus la refusa après l'avoir à peine goûtée. De la croix, Jésus vit une foule de badauds attirés par le spectacle morbide. Mais parmi eux, il reconnut un par un ceux qu'il avait suivis et aimés durant sa mission sur terre. Ils étaient là pour le réconforter. Alors que la torture amenait Jésus vers sa fin, il dit ces quelques mots : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus aperçut sa mère au pied de la croix, et à côté d'elle, Jean, son disciple préféré, si on en croit la tradition. Jésus s'adressa à Marie, « Femme, voici ton fils. » Et à son disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, Jean s'occupa de Marie comme si elle était sa mère. Jésus promit le paradis aux bandits qu'il avait proclamés innocents. À la cinquième heure du martyre, alors que sa souffrance était à son comble, Jésus s'écria, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Plus tard, il se plaignit de la soif. « J'ai soif. » Un soldat lui donna un chiffon trempé d'eau et de vinaigre et brandit au bout d'un bâton. Et à la fin, Jésus dit « Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il mourut. Le voile du temple se déchira en son milieu. La terre trembla et les Romains qui se tenaient sur le Golgotha furent troublés. Les évangiles de Matthieu et de Marc rapportent que lorsqu'un soldat romain vit ce qui se passait, il adressa une prière à Dieu et dit « Il était vraiment le Fils de Dieu ». L'évangile de Luc rapporte les mots d'un soldat « C'était un homme bon et juste ». Dans les derniers jours de sa vie, avant son martyre et sa mort, Jésus dit « Car comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé ». Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Un homme ne peut avoir de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis.